Nous n'avons pas trouvé de preuves formelles qui permettent d'établir une étiologie médico-légale de cause non naturelle dans la mort de Pablo Neruda. Ils ont examiné les éléments toxiques de caractère chimique, mais il n'y a eu aucune étude de fait sur les éléments toxiques de caractère biologique. C'est un autre domaine sur lequel il va falloir enquêter. C'est pourquoi je déclare qu'une étape très importante vient d'être close, au cours de laquelle le travail a été fait avec une grande célérité, mais il ne s'agit pas du cas Neruda dans son ensemble, loin de là.